Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli appelle à poursuivre les efforts de paix internationaux au lendemain de la démission de l'émissaire des Nations Unies en Libye. Le ministère des Affaires étrangères s'est exprimé dans un communiqué mardi dans lequel il interpelle la communauté internationale à respecter ses engagements envers le peuple libyen en consolidant la sécurité et la stabilité. Il a appelé, en allusion aux forces pro-Haftar, à exercer des pressions réelles sur les rebelles afin qu'ils arrêtent leur offensive contre Tripoli et les autres villes libyennes. Les autorités du gouvernement reconnues par la communauté internationale écrivent également avoir pris acte de la décision de Ghassan Salamé de démissionner pour des raisons de santé. Cependant, elles disent souhaiter voir les efforts de l'ONU aboutir à la cessation des ingérences étrangères qui déstabilisent la Libye. La démission de M. Salamé a subitement bloqué le processus politique déjà dans l'impasse en Libye, après la décision des autorités de Tripoli et de leurs rivaux proches du maréchal Haftar de quitter la table des négociations la semaine dernière.